Et mercredi 28, donc on a le double après-midi, donc petite matinée un peu tourisme. Donc là je suis dans le quartier de la Défense, du coup, parce que je suis à côté. J'y suis jamais allé en fait sur l'esplanade. Et donc on voit l'Arc de Triomphe en tout petit. Voilà, là-bas. Donc, histoire de quand même découvrir un petit peu le quartier, s'aérer un petit peu la tête, faire un petit peu de choses. Et puis voilà, tranquillement. Donc là, vous avez un avion découpé et rassemblé. Et puis là, une statue en faux végétaux. Bon, spécial. Alors par contre, ce qui est pas mal, ce souvenir, c'est que j'avais l'esplanade était toute plate, toute bétonnée, et ils ont quand même mis pas mal de végétation. Alors je vais faire un petit correctif, j'ai dit une connerie en fait concernant la toiture du Suzanne Lenghen. En fait, donc le châtrier, quand il se replie, ils sont par là-bas, toutes les ailes là. Mais en fait, ici, il y a une structure qui est assez gigantesque. Et en fait, les ailes ne sont pas mises. C'est-à-dire qu'entre les deux derniers Roland-Garros, ils ont fait la structure, tout ce que vous voyez là, les bandeaux et ils font tout le tour. Et là maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est mettre les ailes. Et en fait, ils vont faire comme là-bas, au châtrier. Où vous avez un grand plat qui se retrouve sur le bout en fait, alors que les ailes elles sont rétractées, quand elles sont pliées elles sont tout à gauche, et donc ça va être dans le même sens en fait. Donc les ailes vont être tout au fond là-bas et elles vont venir se déplier par là pour couvrir le Lenghen, donc c'est bien dans le même sens. Une petite pause dans un parc de plutôt là, plutôt sympa. Je rentre du stade, donc on a gagné en double avec Stéphane. Assez facilement, même s'il y a eu 3 ou 4 noades dans le premier set, donc ça aurait pu très bien s'inverser dans le premier set. Toujours un peu pénible ces noades, mais bon, c'est passé et du coup on va jouer demain en demi-finale sur l'après-midi, donc demi-finale des doubles 45-50. Donc ça veut dire 2 médailles de bronze assurées pour moi en tout cas. Donc premier match le matin, demi-finale donc à 9h30, et puis après le double sur en 3e ou 4e rotation. Et donc après, maintenant, on gère les soucis un peu logistiques parce que Stéphane avait réservé jusqu'à cette nuit, ce soir, sachant pas trop quand est-ce que ça allait se terminer. Et du coup, demain, il aurait été SDF.
Et donc on a réussi à trouver avec des gens qui sont encore en lice. Donc c'est un couple qui jouait tous les deux. Lui il a fait finale des plus de 55. Elle vient de se qualifier en quart de finale. Et il y avait un de leurs potes contre qui il a joué en demi-finale des 55 qui est parti. Et donc du coup il a une chambre libre. Donc du coup voilà, avec Stéphane, ça nous libère l'esprit parce que ils annoncent de la pluie en plus. Donc ça veut dire le double aurait été tard. Donc ça veut dire même si on perd, prendre un train. Là au dernier moment ça aurait été compliqué et puis du coup prendre une nuit après aussi au dernier moment ça aurait été compliqué aussi. Donc voilà, c'est des petites difficultés là de fin de tableau en fait où on essaie de pas trop réserver les nuits trop longtemps à l'avance parce que c'est du budget et puis on sait pas trop parce qu'il y a les résultats qui viennent quand ils viennent quoi. Donc voilà. Donc deux demi-finales demain matin, donc je vais mettre ma belle tenue. Et puis ça va être une grosse journée donc du coup, mais bon, toujours très intéressant de vivre ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.